La Lexibox se positionne sur un marché qui est en pleine explosion. C'est celui des jouets vidéo connectés. Et c'est bien le principe de la Lexibox, avec des petites figurines qui communiquent en RFID avec notre console. C'est la première fois qu'on dévoile le produit, et pour tout vous dire, la conception a été finalisée la semaine dernière. Donc c'est du tout frais. Dans le pack, vous avez déjà 26 applications pédagogiques pour apprendre les chiffres, les formes, les couleurs, les lettres, le temps, les saisons, etc. On a pensé ce produit pour les petits. Elle sera évolutive dessus. On peut télécharger non seulement des applications pédagogiques, mais aussi des jeux. Vous avez la possibilité par le Lexibook Market de télécharger des milliers d'applications. Alors, à aujourd'hui, nous en avons à peu près 1200. Toutes les semaines, nous en ajoutons. Dans les 1200, nous avons privilégié des applications qualitatives. Nous avons, par exemple, les classiques du jeu vidéo, Angry Birds, Temple Run, des jeux Disney, des jeux Game Loft, mais également des applications d'histoire. On a un système de contrôle assez innovant dans la télécommande qui permet d'allier trois modes. Un mode où on fait juste un mode directionnel avec le joystick. Quand on appuie dessus, on peut passer sur un mode souris. Quand on appuie encore une fois, on peut passer sur un mode de contrôle comme la Wii. Elle sera certainement un hit de la fin d'année puisqu'elle est en catalogue dans l'ensemble de la distribution, en avant-première à la FNAC, mais également dans toutes les autres enseignes d'ici la fin de l'année.